La France écrasée, la France qui s'est effondrée en mai 40 est à nouveau une des grandes puissances de ce monde. Il est le seul à penser le 17 juin 40 qu'Hitler a perdu la guerre et donc lui se dit, mon problème n'est pas de gagner la guerre est déjà gagnée. Il reste à ramener la France du bon côté. Et donc, pendant toute cette guerre-là, il va porter très haut cette idée de la France libre, d'abord des armées françaises qui se battent, non pas pour gagner la guerre, il dit de toute façon, la guerre sera gagnée sans moi. Le problème, c'est que la France n'est pas disparue. Et donc, il faut que la France existe, d'où sa volonté de ne pas mélanger les soldats français avec les Américains, les Anglais, mais d'avoir des unités françaises qui participeront à la libération de la France. Son pari, il réussit parfaitement, puisque à la fin du mois de janvier 1946, lors de la première réunion de ce qu'on appelle maintenant le P5, c'est-à-dire des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France est présente.